C'est vraiment euh, un président qui, plus que tous les autres, a euh, imprimé sa marque euh, dans la politique américaine, dans l'économie en particulier américaine, et a respecté ses engagements. Aujourd'hui, euh, sur 12 mois glissants, les 6 premiers mois de l'année, on a eu une croissance de 4%. On n'avait plus eu ça depuis euh, 40 ans au moins. Euh, le chômage est, lui, passé en dessous de 4%. C'est un cas unique dans l'histoire des États-Unis pratiquement et également si on fait des comparatifs avec la plupart des grands pays occidentaux, euh, tous les indicateurs sont passés au vert en deux ans. Alors certains ont beau dire qu'effectivement, il y a peut-être un terrain qui avait été préparé par Obama, mais il y a des impulsions euh, économiques qui ont été données par Trump, qui sont très fortes, qui ont été clairement explicitées, qui étaient déjà d'ailleurs exprimées clairement devant l'électorat pendant la campagne. Ces engagements ont été tenus, notamment par exemple la baisse des impôts. Également les taxes aux importations euh, pour des, des, des produits de concurrence déloyale, on va dire, et il y a des effets immédiats qui ont été produits sur l'économie américaine, et donc les Américains se disent voilà quelqu'un qui nous a expliqué ce qu'il fallait faire, il le fait, il y a des résultats. Personnellement, je suis même étonné, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de plus d'électeurs qui le soutiennent.